de danse sur place de Pékin, Gabriela Papadakis et Kylian Simon. Pour leur retour en France, ils étaient bien loin d'imaginer un tel accueil. Merci. Mille merci. Je vous admire, je ne sais pas comment vous faites. Mille merci encore, vous avoir fait rêver. C'est incroyable, bravo. Merci et bravo. Et puis alors, merci pour tout ce que vous nous apportez. Quel bonheur de vous voir. Félicitations, vous étiez magnifique. Et vous êtes très 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 beau. Vous m'avez fait rêver. Hein. J'imagine que ce n'est pas très original par rapport à ce que tout le monde vous dit. Des petits mots d'amour et une pluie de merci. On n'a pas pu l'avoir à Pékin, donc c'est beau de le vivre maintenant, c'est chouette. Ils sont capables de sortir le programme de leur vie. On les a laissés ce fameux 14 février à Pékin, en quête de l'excellence. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron qui apportent cette médaille d'or tant espérée. Une médaille d'or, ça se fête, évidemment. Petit détour à la Fédération française des sports de glace. Et merci à tout le monde d'avoir fait ce qu'il faut qu'on se rigole. Le premier toast que je donne de ma vie. Ça se passe très bien, continuez. Merci à tous pour les émotions, mais pas que, mais votre engagement, votre travail, votre talent. Donc merci et bravo beaucoup. Bravo. Faut dire qu'après les Jeux, ils n'ont pas chômé. Qui a dit que la perfection n'existe pas ? Bonjour et grand bravo les champions. Ils ont exécuté un programme libre quasi parfait. Vous arrivez à réaliser, pas encore. Un véritable marathon médiatique. Bravo à tous les deux. Enfin l'heure olympique que vous ne quittez plus. Vous ne la quittez plus cette médaille. C'est pas trop lourd. On dort avec. Moi qui suis hyper profane, vous me faites rêver, j'ai regardé au moins 3 ou 4 fois votre prestation, je suis 15 ans, je te jure. C'est magnifique et le choix de musique était super, enfin, j'ai adoré. Merci encore, il y a un documentaire là, si on veut. Un petit reportage, je crois. Ah, d'accord. Bravo, c'est superbe, champion. C'est rigolo. Ça nous sort de notre quotidien, puis on essaie de savourer parce qu'on va pas rester... à la une des journaux pendant très très longtemps. Marathon conclu quelques jours plus tard au son des fourchettes et des couteaux. À Zurich, 3 jours de gala, 3 dîners spectacles de Art on Ice. C'est chouette, je pense que ça nous avait manqué. Puis après tellement de pression aussi, la compétition, tellement de stress, ça fait du bien de pouvoir patiner peut-être en prenant plus de plaisir. Plaisir partagé, même si personne ne leur avait dit qu'être champion olympique n'est pas un job de tout repos.